Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui le 23 novembre. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Luc, chapitre 21, versets 1 à 4. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre deux petites pièces de monnaie. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Christ, cette parole, nous l'avons déjà écoutée. L'exemple de cette veuve misérable qui met ses deux pièces, ce qu'elle avait seulement pour vivre. Et Jésus fait son éloge en comparant avec ceux qui mettaient beaucoup d'argent, mais ils prenaient sur leur superflu. C'est-à-dire que le don qu'ils faisaient, c'était cet bien, mais ils ne sentaient pas le manque de ce don-là. Or, pourtant, cette dame a pris sur son indigence, c'est-à-dire qu'elle a donné, elle sait qu'elle n'a plus rien. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Jésus nous donne même si le critère pour que nos offrandes soient agréables à ses yeux. C'est-à-dire quand on fait des offrandes à Dieu, quel est le critère pour que Dieu dise, « Vraiment, ce qu'il vient me donner là, c'est bon. » C'est prendre sur son indigence et non sur son superflu. C'est-à-dire donner le meilleur de nous-mêmes à Dieu. Souvent dans notre vie, on met d'abord Dieu au second plan. Or, si nous voulons faire comme cette veuve, Jésus nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes. Ici, il s'agit d'argent, il s'agit de dons. Donc, concernant les offrandes dans ta vie spirituelle, quand tu fais une offrande à l'église, il faut donner le meilleur. En fait, ce n'est pas une question une question économique, mais c'est une question de ce Dieu à qui tu offres ce qu'il y a de meilleur. Parce que cette femme a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Le secret pour valoriser nos offrandes consiste à donner tout. Et donc, pour que le don que tu fais là puisse plaire à Dieu, il faut que tu donnes tout ce que tu as pour vivre. Ce que tu as de ta pauvreté. Et la meilleure chose que nous avons, à part les biens que nous avons, c'est notre vie. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu sers Dieu, tu ne ménages pas ton temps pour dire, bon, moi je n'ai pas le temps pour servir Dieu, j'ai trop de choses à faire. Quand tu économises ta vie et que tu ne consacres pas un temps à Dieu, ton offrande n'est pas une offrande agréable aux yeux de Dieu. Le Seigneur voudrait aussi que nous puissions, dans les dons ordinaires de notre vie, que nos dons soient vraiment des dons généreux, très généreux. Sentir en soi que tu as donné quelque chose. Regardez le Caritas. Nous allons donner les habits dont nous n'avons pas besoin. Qui d'entre nous dit, voici ma garde-robe, voici les vestes que j'aime, je mets dans la Caritas. Ce que tu donnes et que tu sens que ça te manque, c'est ça que Dieu aime. Parce qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Alors, nous devons reconnaître nos dons, reconnaître les meilleurs dons que nous devons offrir à Dieu. Donner à Dieu sans compter. Donner à Dieu, lui donner toute notre vie. Parce que notre vie n'est rien d'autre qu'un don. Donne tout ce que tu as pour vivre. Donne ta vie à Dieu. Et ton offrande, en la donnant, il faut que tu sois très, 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 très généreux. Quand tu calcules avec Dieu, ça ne marche pas. Au cours de cette journée, l'acte que je te demande de faire aujourd'hui, l'action de ce jour, c'est de faire une offrande généreuse. Soit pour la construction d'une église, ou bien même pour une institution ecclésiale, ta paroisse. Voilà, fais un don généreux. Donne tout. Fais cette expérience. Que le Seigneur te bénisse d'avance pour ce don que tu vas faire en ce jour.
qu'il te bénisse et qu'il bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.